Salut, Ediro. Salut, chérie. Alors, comment ça va? Tu ne penses pas que tu pourrais manquer de sujet de conversation si tu commences à poser des questions dès maintenant? Eh bien, c'est juste que ça fait maintenant environ 20 minutes que je t'attends au lieu du rendez-vous. Alors, dis-moi. Je ne te vois toujours pas. Donc, j'ai décidé d'appeler juste pour savoir, pour m'assurer en fait, que tu seras vraiment présente. Je ne t'ai pas encore compris, mais je crois que tu me plais déjà. Je sens que cette soirée sera très intéressante. Eh bien, espérons que je ne foute pas tout en l'air. Attends, je te donne un coup de pouce. Aussitôt que je serai là, complimente ma robe et mes chaussures. Regarde-moi droit dans les yeux et ris de mes blagues, d'accord? Voilà. Ça semble banal, mais avec ça, tu peux mettre n'importe quelle femme à l'aise. Super, cette soirée sera très intéressante. Parce que je me suis fait coacher par un de mes partenaires sur le premier rendez-vous. Ah. Tu apprends très vite, chérie. Mais je suis différente des autres filles. À tout de suite. D'accord, à tout de suite. Ok. D'accord, alors. Ça y est. Salut, Ediro. Tu es vraiment ravissante. Je n'ai jamais vu une aussi magnifique femme. Non, ça ne va pas le faire. C'est... Hey. Oh. Allez, mec, réfléchis un peu. Ok. Salut, Ediro. Waouh. Je suis tellement ébloui par ta beauté que je n'arrive... Il faut que tu trouves mieux. Ah. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Détends-toi. Salut, Ediro. Honnêtement, maintenant que je me trouve en face de toi, je te trouve plus resplendissante et plus belle que sur tes photos. Super, super. Oh. Voilà, enfin. Alors, qu'est-ce que tu faisais dans les toilettes? Merci à ceux qui ont inventé le téléphone. Tu t'imagines un monde dans lequel on doit attendre sans un téléphone? C'est un truc de fou. Je me demande bien comment nos grands-parents ont pu gérer l'ennui. Je me le demande aussi. En passant, tu es ravissante. Oh! Merci. Et tes chaussures sont superbes. Oh. Elles sont de quelle couleur déjà? Mon Dieu, je le savais. Je t'en sers. Oh, Seigneur, merci. Alors, Monsieur Chéhi Babalola, est-ce ton premier rendez-vous surprise? Oui. Et toi? Le troisième. Les deux premiers étaient un peu décevants, oui. D'abord, le premier, il était un très bel homme, mais qu'est-ce qu'il avait la tête vide?
quant au deuxième, il se vantait beaucoup trop. Je ne pouvais pas le supporter. Oh, mon Dieu, c'était juste pas possible. Alors, qu'en est-il de moi ? Alors là, il va falloir que tu attendes la fin de la soirée pour en savoir un peu plus. D'accord. Bien, Monsieur Shelley. Qu'est-ce que tu aimerais savoir sur moi ? Eh bien... vu qu'on s'est partagé pas mal d'informations en ligne, j'aimerais bien que tu me parles de toi. Une fois de plus. Oh, Seigneur. Quoi ? Est-ce que j'ai dit quelque chose de déplacé ? Absolument. T'as juste... C'était trop cliché. Je veux dire, poser ce genre de questions au premier encart ? On ne pose pas de questions clichés au premier encart. Mais tu sais quoi, je te pardonne. Je laisse couler pour cette fois-ci, ok ? Recommence encore, mais je t'en prie, cette fois-ci, je veux aller en aventure. Me demande pas de... Vas-y. Ok. ouais, je t'écoute, allez. Alors, quel est le... Quel est le truc le plus fou que tu aies fait un premier encart ? Oh, voilà, une bonne question. Enfin, le truc le plus fou que j'ai fait au cours d'un premier encart, voyons. Ah ! Alors, c'était la fois où j'ai... c'est très récent, hein. Je lui ai cogné la tête contre la table et il a perdu ses deux dents de devant. Je l'ai ensuite conduit à l'hôpital. Depuis ce jour-là, je n'ai plus décroché ses appels. Mais c'est pas du tout gentil, tu sais. Je l'ai quand même emmené voir un dentiste. Je crois que c'est pas rien, ça. Ok. Oh oui, il y avait aussi un autre mec. Lorsque j'ai posé mes yeux sur lui, je pouvais pas dîner avec lui. Pourquoi ? Sa beauté était à couper le souffle. Attends, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Tu ne pouvais pas dîner avec lui à cause de sa beauté ? Eh bien, je ne dirais pas ça comme ça. Disons que j'ai opté pour quelque chose d'autre pour le dîner. Je l'ai emmené chez moi. Mm-hmm. Et je lui ai fait du striptease. Et je lui ai offert une bonne partie de jambes en l'air qu'il n'est pas prêt d'oublier de sitôt. Wow. D'accord. Alors, c'est ton tour. Quelle est la chose la plus folle que t'aies faite dans ta vie au cours du premier encart ? Non. en fait, je... Je suis ennuyant. Mais non, ce n'est pas vrai. Bien sûr. Non. Sauf si tu veux que je te mente. Non, t'as pas besoin de me mentir. Je ne suis pas un bon menteur non plus, tu sais. Ça date vraiment pas de longtemps. Oui. On a discuté, et on a bu, et on a terminé au lit. Alors, on fait quoi ce soir ? Ce soir ? Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Je veux qu'on passe la soirée ensemble. En d'autres thèmes ? Je veux qu'on m'apprenne à mieux se connaître. Mieux se connaître ? Ouais. Est-ce que tu sais que pour certains, ça veut dire... Non. c'est pas ce que je voulais dire. Écoute, je suis un gentleman, donc je ne... Enfin... Donc tu veux dire que je ne t'attire pas sexuellement ? Mais je n'ai jamais dit ça, d'accord ? Eh bien, c'est t'attire, pas ce que je voulais dire. Oui, je... Non, je... Ce que je veux dire, c'est que... Désolé, je transpire. Alors... Attends, je te sers plus de vin. Du vin ? Bien sûr, attends, non, ça va, n'en rajoute plus. Thank you.
Alors, pourquoi est-ce que je ne suis pas dans une relation sérieuse? Disons juste que je ne suis pas encore prêt à m'engager pour l'instant. Désolée. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu ailles? Tu ne t'attends quand même pas à ce que je te crois. Eh bien, je suis sérieux. Je cherche d'abord le vrai amour. Le vrai amour? Wow. En fait, je pense que c'est un mythe. Un mythe inventé pour les ados. C'est un mythe qui fait encore des ravages chez les jeunes filles adolescentes. J'en ai été victime, mais aujourd'hui... je suis libre, je suis super libre, comme un oiseau. Tu as peut-être raison, mais je continue de croire en l'amour. Donc, tu espères un jour tomber sur ton âme sœur, comme on le dit. Tout à fait. Je ne crois pas en ces choses. Toutes les belles histoires d'amour ne se voient qu'à la télé. Mais non, je... Attention. Hey. Tu veux bien? Doucement. Ça va? Ouais. T'es sûr que tu t'es pas fait mal? C'est ta pétasse que tu veux utiliser pour me causer des ennuis! Non, mais qu'est-ce que tu racontes là? Tu entends ce qu'il dit? Ah, ça ne va pas, non? Tu dois être malade! Tu aurais dû me laisser la croyer! Quelque chose ne va pas avec toi sur le sujet! Il est malade! Permets-moi seulement de lui donner une petite leçon, ne me retiens pas! Je m'en occupe. Oui, casse-toi, c'est mieux pour toi! N'ose même pas revenir ici! Et Jiro, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit que je m'en occupais, n'est-ce pas? Hein? Regarde-moi faire. Et Jiro? Non, arrête! Tu vas nous causer des ennuis! C'est la voiture de quelqu'un d'autre! C'est un crime! En plus, tu ne peux pas forcer la voiture sans que l'alarme ne se déclenche! Tu me rejoins ou tu restes là? Tu vas rester là à faire ta peau mouillée? Enfin, je te préviens. Allez, monte! Bienvenue dans mon humble demeure. Voilà. Alors, t'en penses quoi? Belle maison. Laisse-moi deviner. Laisse-moi deviner. Tu viens juste d'emménager. T'es sur la bonne voie. Pas de photos. Ni de touche personnelle, pour l'instant. Très bien. C'est très bien. D'accord, alors, cette maison appartient à un client qui me doit une grosse, grosse somme d'argent. Donc, j'ai décidé d'emménager ici en attendant qu'il me rembourse. Waouh. Mieux vaut ne pas avoir affaire à toi. Il se méfie, hein. Mais tu sais, je crois que je commence à me plaire ici. Peut-être que je devrais garder cette maison. Pas mal comme idée. Oh. C'est une belle maison. Bon emplacement. Alors, si tu me le permets, est-ce que tu ne crains pas que ton client soit prêt à tout pour reprendre sa maison? Avoir peur? Eh bien, la peur, c'est pour ceux qui sont faibles. Allez, tu viens? On va à l'étage. Surprise! Tiens. Merci. Mais je t'en prie. J'aime bien la vue d'ici. En parlant de vue, et si je te
te montrer une vue que tu ne pourras jamais oublier. Hmm? Chérie. Et Jiro, tu... Tu es vraiment très attirante. Où est-ce que tu veux en venir? Mais je ne... je crois bien qu'il vaut mieux qu'on apprenne à se connaître. Qu'on apprenne à mieux se connaître, c'est bien mieux, je pense. Où est-ce que ça nous mènera? Pourquoi apprendre à mieux se connaître? Allez, parle-moi. Jiro, je veux qu'on discute un peu plus. Tu sais que tu... Oui. Je crois qu'on va... Attends, écoute. Tu me plais beaucoup, tu sais. Je crois qu'on va trop vite ensuite. Oh, Jiro. Attends, écoute, je... Oui. Tu me plais, d'accord? Tu me plais. Et... Nous ne pouvons pas faire ce... Attends. Je suis sérieux. C'est ce que tu veux? Oui, c'est ce que je veux. Ce n'est pas le moment de réfléchir, d'accord? Ok. Il te reste peu de compris. Temps. Compris. Quoi? Et c'est là que tout commence. Qu'est-ce qui commence? La raison pour laquelle je t'ai emmené ici. Coucher avec moi? Non. Pour te tester. Pour me tester, tu dis? Comment ça, me tester? Et Jiro? Enfin, qu'est-ce que tu m'as fait? Jiro. Jiro. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as... Je ne vois plus rien. Jiro, je ne vois plus rien. Jiro, si tu m'entends, sache que ce jeu n'est pas du tout drôle. Ça ne me plaît pas du tout. Jiro! Est-ce que t'es là? Et mon prince charmant s'est réveillé. Enfin, tu es réveillé. La belle au bois dormant s'est enfin réveillée. T'as même pas eu besoin de mon baiser. Jiro, qu'est-ce qui se passe? Notre premier rencard n'est pas encore terminé. Non. Oh, je veux pas t'en vouloir quand même. T'étais pas censé être ici. Comment ça, j'étais pas censé être ici, Jiro? Enfin, s'il te plaît, détache-moi et laisse-moi rentrer. C'est ça, et ça recommence encore, t'ira de nulle part, chez Ibabalula. Tu es proche de ta tombe. Écoute, tu commences vraiment à me faire peur. Jiro, je t'en prie. Jiro, je t'en prie. Je t'en supplie. S'il te plaît,
Laisse-moi rentrer. Je suis sérieuse, moi aussi. C'est ici que les choses vont devenir intéressantes. Donc, je ne peux pas te détacher. Quoi? Oui. Mais attends. Mais tu... Attends. Quoi? Tu m'as drogué? Tu m'as drogué, c'est ça? Enfin, il a retrouvé sa raison. Regarde autour de toi. Cette nuit sera longue. Mais t'en fais pas, t'auras la réponse à toutes tes questions. Ejiro, détache-moi. Détache-moi maintenant. Non, c'est hors de question. Ok. Ok. S'il te plaît. Je t'en prie, je t'en supplie. Ejiro, je t'en supplie. Détache-moi. Je suis vraiment désolé. Peu importe ce que c'est, je suis désolé. Pourquoi est-ce que tu... Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Détache-moi, s'il te plaît, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'en supplie, détache-moi. Pourquoi est-ce que vous posez toute cette question? Comment ça, nous tous? De qui est-ce que tu parles? Regarde sur la table! Ça ne se voit pas. On s'amuse à peine, chérie. C'est une soirée vraiment spéciale. Juste toi et moi. Et si tu es gentil, je pourrais peut-être répondre à toutes les questions que tu veux me poser. Je ne veux plus rien entendre. Non. En fait, tu vas quand même devoir m'écouter. D'accord? D'accord? D'accord. D'accord. Chéyi. Oui. Je m'appelle Ejiro Kassim. Je suis avocate, je suis survivante. Et je veux me venger. Te venger? Mais pourquoi? Je veux me venger pour tout le mal que des hommes comme toi ont fait aux femmes comme moi. Ont fait aux femmes comme moi. Les hommes comme moi? Mais qu'est-ce que tu veux dire par les hommes comme moi? Ne revais plus ça. Ok, je suis désolé, je suis désolé. C'est d'accord. Désolé. Ejiro, je te comprends, je te comprends. Les hommes t'ont offensé. Et je comprends. Je suis désolé. D'accord. Offensé? C'est ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Oh mon Dieu! Offensé? Comment oses-tu? Comment oses-tu dire que le viol est une offense? Offenser quelqu'un, c'est poser un lapin à une femme. Offenser, c'est lorsque tu oublies ton anniversaire de mariage. Offenser, c'est lorsque tu vas jouer au football au lieu de passer du temps avec ta femme à la maison. Le viol, c'est un crime. C'est un crime qui mérite d'être puni. C'est comme un meurtrier qui laisse ses victimes en vie pour qu'elles souffrent de traumatismes. Chaque jour qui passe, le traumatisme de ses actes ignobles. Ejiro. Je suis désolé. Je suis profondément désolé. Ah bon? Écoute, j'ai deux sœurs. Si jamais quelqu'un essaie de... Si? Arrête avec tes si, on parle de moi. Elles n'ont jamais subi ça, elles t'en... Je tuerai quiconque touchera un seul de leurs cheveux. Je te le jure. Oh, chérie, je t'aime. Oh mon Dieu, ça devient très compliqué. Où est mon couteau? Oh. Non. Mais c'est super. On s'amuse bien, hein? En fait, tu me facilites la tâche. Tu es quiconque essaierait. On a un point commun. Mais je ne suis pas un violeur, je n'en suis pas un. Oui, mais la nature t'a donné la possibilité de le faire. Enfin, je... Donc, dans ce cas, je suis le juge, le jury et le bourreau. Et ma décision est sans appel. Ejiro, calme-toi.
Il faut que tu essaies de te calmer. Et écoute, je ferai absolument tout. Tout ce qu'il faut. Pour que tu ne te sentes pas si mal, je le ferai. Tout ce qu'il faut. C'est la première fois qu'on me dit ça. La première fois. Mon Dieu. En fait, il y a une chose que tu peux faire pour moi. Si tu arrives à le faire, je te jure que je vais couper toutes les cordes et je vais te détacher et te laisser partir. Si je te promets. Efface tout ça. Quoi? Le jour où j'ai été violée, oui. Efface ce jour-là, c'est tout ce que je veux. Retourne juste dans... Utilise une machine à voyager dans le temps, retourne dans le passé et empêche-le de me violer, oui. Tu peux le faire. Et Jiro, non. Et Jiro, c'est pas possible, tu sais. Non. Et Jiro. Je t'avais promis. S'il te plaît. Je sais que le viol... est un crime vraiment horrible. Et personne ne mérite de vivre cela. Mais crois-moi, ce qui est fait est fait. Et Jiro, je comprends. Je sais que tout ce que tu traverses n'est pas du tout facile. Je sais ce que tu ressens. La femme ! Tu n'as aucune idée de... que je ressens. Un homme comme toi a abusé de moi. J'ai toujours été fréquentée par les vilains garçons. J'ai donc voulu essayer un truc nouveau. Avec un homme décent. J'ai voulu expérimenter ce qu'on appelle l'amour. Me marier, peut-être, et connaître aussi le bonheur d'une vie commune. Puis je suis tombée sur Jared, en ligne. Il remplissait tous mes critères. Après plusieurs conversations en ligne, nous avons eu un premier encart qui était parfait. Vous nous ouvrez les portes, vous nous tirez nos chaises, vous nous traitez comme des reines. Vous vous comportez comme si nous étions vos déesses et vous nos serviteurs. Et ça marche très bien. Parce qu'au bout du compte, nous finissons par baisser nos gardes. Et ce qui doit arriver, j'ai pas besoin de t'en faire un dessin. Qu'est-ce que c'est? J'étais juste en train de regarder ce truc. Ensuite, il s'est habillé. Il m'a tourné le dos et s'en est allé. Tu sais, le pire n'était pas le fait qu'il m'ait violée. Non. Non. C'était pas le pire. Loin de là.
Le fait qu'il m'ait laissé en vie pour vivre avec le traumatisme de cette scène. C'est ça le pire. Maintenant que je t'ai tout raconté, tu sais pourquoi tu es ici, hein? Je sais que c'est vraiment horrible. Je suis désolé. C'est qu'il n'y a rien que je puisse dire qui pourrait changer. C'est exact. Exact. Pourquoi te déranger si je peux me venger sur toi? Pourquoi est-ce que tu veux me punir pour son crime? Sois pas ridicule. Il a été puni pour son crime. Je ne te l'avais pas dit. Oh. Il a été puni pour son crime. Et toi, tu ne seras pas puni pour son crime. Tu seras puni pour les tiens. Mes crimes? Oui, monsieur le gentilhomme. Excuse-moi. Tu m'as bien entendu? Tu sais ce que j'aime chez les vilains garçons? Non. On sait déjà à quoi s'attendre avec eux, monsieur gentil. Mais vous, vous êtes pire. Un homme gentil. Ces deux mots ne devraient pas être dans la même phrase. Ou groupe de mots, peu importe. Le gentilhomme est... d'autant plus malade que quelqu'un qui est schizophrène. Ou sociopathe. Wouhou! C'est méchant de rendre une femme vulnérable. Juste pour pouvoir la tuer. Il faut que ça cesse. Et crois-moi, je ferai tout pour ça. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Écoute, t'es pas obligé de me tuer. Ah bon, c'est ce que tu penses? Non. Mais il faut que je te tue. Oh, waouh! Ça, c'est le moment que j'adore le plus. Je trouve ça très apaisant. T'en fais pas, écoute, tu vas absolument rien sentir. Eddie, écoute. Écoute, tu n'as pas... Tu n'es pas obligé de faire ça. Adieu, chérie Babalola. Tu n'es pas obligé de le faire. Je t'en prie. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Bonsoir, madame. Officier? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs. Votre voisin nous a averti qu'il y avait des cris venant de cette maison. Oh non, j'ai aussi entendu les cris et j'ai eu très peur. Vous êtes sûr que tout va bien? Oui, 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 par la grâce de Dieu, tout va... Madame, vous êtes sûr que tout va bien? Bien, oui, monsieur l'agent. Sûre, certaine? Oui, Dieu merci, merci d'avoir demandé. D'accord, merci. D'accord, vous n'avez rien à signaler? Ouais, j'en suis sûr. Tout va bien. Quelqu'un a des ennuis, il faut que vous l'aidiez. Oui, bien sûr, c'est pour cela que nous sommes là. Oh, madame, vous êtes sûre que tout va bien? Oui, 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 ça va, merci. S'il y a du nouveau, n'hésitez pas à nous appeler, d'accord? D'accord, pas de souci. La police est mon allié, donc je le ferai. Quelqu'un a des ennuis. Si la personne se trouve ici, alors nous allons la retrouver. D'accord, on va y aller maintenant. D'accord. Prenez soin de vous. Merci, faites attention à vous, d'accord? D'accord, madame. Oh, merci beaucoup. Oh, bonne nuit. Où est-ce que vous allez? Monsieur l'agent,
Je suis infirmière. Et vous rentrez à cette heure-ci? C'était mon tour de garde. Votre tour de garde? Ouvrez votre coffre. Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, j'ai des règles douloureuses. Un instant, patron. Oui. Cette femme dit qu'elle a ses règles douloureuses et qu'elle est infirmière. Laisse-la passer. Oh, merci, oui, monsieur l'agent. Merci laissez-la beaucoup. Passer, oui. Merci. Oui, laissez-la passer. Vous pouvez la laisser passer. Allez-y, madame. Te tuer dans la maison serait m'attirer des ennuis que j'aurais du mal à gérer, cher monsieur. En plus, il va falloir que je nettoie la maison. Bienvenue dans ta nouvelle dernière demeure. Question numéro 1. Oh, j'allais oublier. Attends, accorde-moi une seconde, d'accord? Juste une seconde, j'arrive. Dieu merci. Et voilà. Tu ne vas rien sentir. Et Giro. Qu'est-ce que t'en penses? Parfait. Quelle est la pire des choses que t'aies faite à une femme, dis-moi? Quoi? Quelle est la pire des choses que j'ai... Je ne veux que des réponses. C'était une question. Quelle est la pire des choses que t'aies faite à une femme? Encore une chose, tu mens? Tu meurs? Je n'arrive pas à réfléchir dans cette situation. C'était une question. Je veux des réponses. Quelle est la pire des choses que t'aies faite à une femme? Hein? Laisse-moi réfléchir. Mauvaise réponse. Quelle est la pire des choses que t'as pu faire à une femme? Tu as trois secondes. Trois, deux, un. J'ai simulé un appel pour mettre fin à une relation. Vraiment? Pourquoi? J'étais pas à l'aise avec elle. Et c'était qui? La copine de ma sœur. Shichiko. Elle avait l'habitude de venir chez nous. Parle plus fort! Elle avait l'habitude de venir nous voir à la maison. Une chose entraînant une autre. Non, on a commencé à se fréquenter. Ça a duré combien de temps? Combien de temps? 5 ou 6 mois. Alors pourquoi t'as pas rompu tout simplement? Je ne suis pas ce genre de mec. Je sais que... Je n'ai jamais eu le courage de rompre avec une femme. T'as déjà frappé une femme? Non, pas même mes sœurs. T'as déjà essayé de violer une femme? J'en suis incapable. Je ne peux pas forcer une femme à coucher avec moi. C'est un principe. Très bien. Question numéro 2. Est-ce que t'as déjà trompé ta partenaire? Ça dépend. Tu veux te foutre de ma gueule, hein? Je pense que oui. Je crois bien. Tu crois? Mais c'était même pas une relation sérieuse. C'était pas sérieux. J'étais en troisième année. Je sortais avec une fille et il y avait des problèmes entre nous. Nous nous sommes disputés. Pourtant, j'étais amoureux de mon binôme. Alors t'as couché avec elle? Non, elle ne savait même pas ce que je ressentais pour elle. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Tu te disais, non, je peux pas lui avouer mes sentiments. Je veux pas sacrifier notre amitié, c'est ça, hein? Vous êtes sortis ensemble, dis-moi. C'est ça, n'est-ce pas? Oh, waouh, monsieur le gentilhomme. On dirait que t'es un saint, toi. Non,
Loin de là. J'ai mes propres problèmes. J'ai mes propres démons contre lesquels je lutte. Mais en ce qui concerne les femmes et les relations amoureuses... Je suis clean. Et Jiro, tu as dit que si je disais la vérité, tu me relâcherais. Que je serais libre. Arrête de poser! Non. Tais-toi! Non, tu ne peux pas mourir maintenant. Non! Réveille-toi. Tu ne peux pas mourir maintenant, je te le permets pas. On ne s'est pas encore amusé. Non. Écoute, je suis désolé. Je suis désolé pour tout ce que les hommes t'ont fait. Combien de fois vais-je te dire qu'être désolé ne peut rien faire pour moi? Ça ne signifie rien pour moi. Si tu n'as rien d'autre à dire, alors la ferme! Ok. Question numéro 3. Alors, est-ce que je suis le genre de fille que tu peux épouser? Ne mens pas. Oui. Menteur. Non, je ne mens pas. Menteur. Tu peux vérifier ce que je dis. Je ne mens pas. Comme je te l'ai dit, je sais que t'es folle. Je ne dis pas ça pour t'insulter, mais c'est ce que t'es. Et c'est ce qui m'attire le plus chez toi. Je suis vraiment sincère, tu peux me croire. Je veux bien t'épouser. Oh, c'est très très adorable. Donc je suis le genre de fille que tu pourrais présenter à ta maman. C'est ça? Mais malheureusement pour toi, aujourd'hui, je choisis de ne pas croire à cette fichue machine. Je choisis de croire en la douleur. Les hommes. Les hommes. Qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu veux encore, Ejiro? J'ai répondu à toutes tes questions. T'as pas encore compris, n'est-ce pas? Mais enfin, comprendre quoi? Tes réponses ne vont pas te sauver la vie. Mon Dieu, je t'ai dit que j'allais te laisser partir. Écoute, aucune de tes réponses ne te sauvera, d'accord? Elles servent juste à déterminer la façon dont tu mourras, si ce sera douloureux ou pas, lent ou alors très rapide. C'est tout, parce que tu mourras. Au revoir, Shei. C'est pas encore fini. Mesdames et messieurs de mon audience invisible, nous avons encore 3 autres bonnes questions avant qu'on ne finisse. Oui. Ejiro, je t'en supplie. Au nom de tout ce que tu as. Quelle est la pire chose que tu aies faite à un homme? J'ai peut-être cogné une personne. Je suis un homme, je me suis bagarré un peu. Un peu? Plus qu'un peu. Un peu plus que ça, je crois. Écoute, je peux tout expliquer, d'accord? Quand j'étais plus jeune, j'ai été beaucoup malmené, donc c'était normal pour moi que je me défende. Si t'es en train de parler de ton enfance, alors pourquoi est-ce que t'es aussi nerveux? Ejiro, regarde-moi. Je suis attaché. T'es en train de m'interroger. Et je suis en train de lutter pour rester en vie. Je suis stressé. Ah bon? Pourtant, t'as réussi à répondre aux autres questions. Sauf si tu me caches quelque chose. Je ne cache rien du tout, je t'ai tout dit. Je te le promets. Quoi? Je te crois pas, mon cher chéri.
Comment? On verra ce que sera ta réponse à la prochaine question. Est-ce que t'as déjà tué un homme? Non. 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 J'avais raison. Non, je... Oui, mais c'était une erreur. Mesdames et messieurs, la gentillesse est un putain de masque. Découvrons ce qu'il y a sous ton masque, monsieur le gentilhomme. Écoute, on était des jeunes. On était très jeunes et des voleurs sont rentrés chez nous. L'un d'eux se dirigeait vers ma mère. Je m'étais caché, il ne m'avait pas vu. J'ai pris l'arme de mon père parce que je savais où il la gardait. Une arme? Oui. Alors tu sais comment t'en servir? Non! Je parie que t'en as une. Je me trompe? Réponds-moi. Je n'en ai pas. Ouh. Donc t'es un meurtrier. Et tu possèdes un objet qui peut donner la mort? Non, non. Je suis... Qui es-tu exactement, chef? Je... Hello? Ma pilule. Eh oh! Ma pilule. Ma pilule. Ma pilule. Il faut ma pilule. Il te faut quoi? Pilule. J'ai besoin de ma pilule tout de suite. Je veux ma pilule. Je ne la retrouve pas. Ma pilule. Combien? Ma pilule. Combien? Ok, ouvre la bouche. Voilà. Tu ne peux pas mourir maintenant, d'accord?
accueilli. Où est-ce que tu es? Mon amour, où es-tu? Je dois avouer que je t'ai sous-estimé. Tu m'as eu sur ce coup-là. Mais tu sais quoi? Tu ne pourras pas te cacher longtemps. Les mecs gentils sont... Ils sont les plus dangereux. De tous les hommes qui soient. Est-ce que... T'es d'accord avec moi, Chéi Babalola? Plutôt on exterminera les hommes comme toi. Mieux ce sera pour la terre entière. Tu sais quoi? Je te propose un marché. Rends-toi maintenant. Et je te promets que ça sera très rapide. Mais je te jure devant Dieu, si je te retrouve par moi-même, tu ne vas pas du tout aimer. Et crois-moi, j'ai tout le temps devant moi. Tu seras dégoûté, promis. Où est-ce que t'es, Chéi? Chéi! Bouge pas! Tu ne pourras pas te cacher pour toujours. Surtout pas dans ce bâtiment. Ton temps est compté. Attends, est-ce que tu cherches une arme pour te défendre? C'est ça le truc. T'as aucun moyen de t'en sortir. T'es juste en train de retarder ton destin, Chéi, mais tu finiras quand même par mourir. Chéi, ce jeu commence vraiment à me pomper les nerfs. Tu commences à m'agacer. Rends-toi maintenant. Et je te promets que ce sera juste une balle dans la tête, facile et rapide. Mais si jamais je te retrouve par moi-même, je te promets que je ne vais pas hésiter à t'ouvrir la poitrine et à arracher ton cœur de mes propres mains.
Il va me le payer, cet enfoiré! Shei! T'es un homme mort! T'es un homme mort, d'accord? T'es un homme mort, Shei! Tu vas regretter cet affront, crois-moi. Regarde ce que tu m'as poussé à faire!
Je sais que t'es là. Je connais chaque recoin de ce bâtiment. Laisse-moi te dire un truc. Personne n'est jamais sorti vivant d'ici. Je dis bien personne n'est jamais sorti vivant d'ici. Tu m'entends? Personne. Et toi, tu ne feras pas l'exception. Thank you.
Tu m'impressionnes, tu sais. J'avoue que je t'ai sous-estimé. Waouh! Comment se fait-il que tu aies toujours la force de courir, hein? Mais qui es-tu, Shei? Mec, dis-moi, pourquoi est-ce que vous prenez toujours la fuite? Vous vous amusez et ensuite vous prenez la fuite, hein? Ça ne m'étonne plus. Ça ne m'étonne plus. Tic, tac, tic, tac. Shei, est-ce que tu m'entends? Hein? Est-ce que tu m'entends? Ça veut dire que ta fin est proche.
Oh mon Dieu. Ouais. T'es vraiment doué pour ça. D'accord. Très bien. Je t'ai vraiment sous-estimé. Ça y est. Ouais. Personne ne m'avait jamais autant fait chier, chérie. Quand je t'aurai, chaque minute te paraîtra comme une éternité. J'attends ce moment avec impatience. Personne, personne ne m'a jamais autant énervée. Oh, tu fais chier. Merde, il est parti! D'accord, très bien. Très bien. Je dois avouer que... ça va mal se terminer pour toi, hein? Oh, crois-moi, ça va mal finir pour toi. Mais au moins, t'as eu ce que tu voulais. Ouais. Tu voulais qu'on apprenne à mieux se connaître. Hein, monsieur? Dur à cuire. Je suis aussi dur à cuire, donc ravie de faire ta connaissance. Tu sais, au départ, tu m'avais plu. Tu me rappelais Justin. Est-ce que c'est parlé de lui, hein? Non? Je l'ai pas fait? Justin, hein? Justin. Je t'ai pas parlé de lui? J'oublierai jamais ce jour. C'était un grand romantique. Un gentleman qui avait dit qu'il m'aimait. Et je lui ai fait confiance. Mais en fin de compte, lui aussi, il m'a violée. Puis il a fini par être puni pour son crime. Ouais. Monsieur dur à cuire. Je savais que j'allais lui plaire. Enfin, il fallait juste... qu'il me voie une fois encore. Je l'ai donc invité. Je l'ai invité à dîner avec moi. Il n'a pas hésité à dire oui. Il a juste fallu une fois pour qu'il... tombe sous mon charme juste... une dernière petite fois. T'as vu quelqu'un par ici? Est-ce que t'as vu quelqu'un dans les parages? Merci. Ne crie pas, ok? Si j'enlève ma main, tu cries pas, d'accord? J'ai bien dit que j'allais te retrouver. Est-ce que tu sais le nombre de marches que tu m'as fait monter? C'est très bien. Reste contre le mur. J'ai hâte de voir ton cerveau s'éclabousser sur ce mur. Hein? Quoi? Oh. Merde! Adieu. Tu possèdes une arme et tu ne sais même pas combien de balles il y a. La ferme! Je t'ai attiré jusqu'ici. Tu crois que je savais pas ce que je faisais? Je te jure!
sûr que je vais te tuer. Lâche-moi. Et bien touché, hein? T'aimes attacher les femmes, hein? Violeur! Je ne suis pas un violeur. Espèce de pervers. Regarde. Voilà qui je suis. Inspecteur Chehi Babaloula. Policier. Un meurtrier protégé par la loi. T'étais pas mentionné sur ton profil du site de rencontre. Tu as aussi oublié de mentionner que tu es une tueuse en série. Ouais, c'est ça. Tu ne pouvais pas savoir que j'étais un policier. Je te donne une dernière chance. Eh bien, vous êtes tous corrompus. Comment ça, nous sommes tous corrompus? En quoi est-ce que la corruption vient justifier ces actes ignobles? Tu as tué des hommes innocents. Les mots innocents et hommes ne doivent même pas se retrouver dans la même phrase. J'en connaissais un. Chola Babaloula. Approche, je ne vois pas très bien. Allez, approche un peu encore. Ah, c'est la deuxième personne que j'ai découpée en morceaux. Comme j'aurais aimé que tu sois là pour voir le sang. C'était mon demi-frère. Alors c'est une affaire personnelle, hein? Finalement, on n'est pas si différents que ça, tu vois pas? La vengeance. Ma mère... Comme si j'étais intéressée par sa famille. N'a jamais accepté que mon père ramène chez nous les enfants qu'il... avait eu dehors. Chola et moi n'avons jamais eu le privilège de vivre ensemble en tant que frères. On n'a jamais vécu ensemble. J'ai pris contact avec lui il y a seulement 2 mois. C'est là qu'on a commencé à se fréquenter, essayer de rattraper le temps perdu. Même si c'était pas possible. J'ai commencé à m'attacher à lui. Ensuite, boum, il a disparu. Juste comme ça. J'ai utilisé toutes les relations que j'avais pour hacker tous ses comptes et m'assurer que personne ne le menaçait. Je vois. Et t'es tombé sur notre discussion. Bingo! T'as trouvé une bonne piste. Tu n'étais pas mon premier suspect, et je ne t'avais même pas suspecté. Il a fallu que je commence à creuser. C'est là que j'ai découvert que tu étais une tueuse en série, dont les victimes ne sont jamais retrouvées. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Où est mon frère? Je ne sais pas, bonté divine, je m'en fiche pas mal. Je ne sais pas, je ne sais même pas s'il a fait sa dernière prière avant que je ne l'exécute dans ma baignoire. Bon sang, j'ai savouré chaque instant. Il a pleuré comme un bébé. La ferme! Ah! Ou je vais te massacrer tout de suite. Fais-le. Je ne suis pas comme toi. Je ne te ferai aucun mal. Non. La loi.
La loi est un mirage. Si vous aviez fait ce qu'il fallait lorsque j'ai porté plainte contre ce violeur, si vous m'aviez prise un peu plus au sérieux, je crois qu'on n'en serait pas là. Mais non, vous l'avez laissé partir. Vous l'avez laissé partir. Vous l'avez laissé partir. Tu n'as pas le droit de me juger. T'as pas le droit de me juger. Il a payé le prix et je vous ferai tous payer pour ça, je te le promets. Je suis désolé pour tout ce que tu as dû subir. C'était injuste. Je l'avoue. Je suis vraiment désolé que tu aies eu à vivre ça. Mais tu vois, au point où nous en sommes, je ne sais pas à quoi me serviront tes excuses. Écoute, il y a des gens comme moi qui ont prêté serment et qui font correctement leur boulot. Ce que tu as vécu était pénible. Mais Eijiro, si la loi permet aux gens de faire ce que tu fais aux autres en appliquant la loi du talion, que deviendra notre société? Pose-toi la question. Oui, allô? Dans 10 minutes? Ce serait bien si vous vous dépêchiez. Ils sont en route, c'est ça? Oui. D'accord. D'accord. Peut-être que je le mérite. Eijiro. Lorsque j'ai dit que j'étais désolé, j'étais sincère. J'ai 2 sœurs. Je ne sais pas ce que je ferais si jamais quelqu'un... Je ne sais pas. Je suis désolé. Ah.